Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Azertiros pour les intimes, j'espère que vous allez bien. Bon, ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour un avis express. Qu'est-ce qu'un avis express? C'est un avis express. Voilà, non, en gros, c'est un avis à chaud, un pas écrit, improvisé, hein, contrairement à mon émission Mon Avis Sûr, que je vous invite à regarder. Là, c'est un avis brut, un avis chaud, un avis court, en mode, je viens de jouer à un jeu pendant quelques dizaines de minutes, et j'en fais un avis à chaud. Voilà, voilà. Et du coup, aujourd'hui, on va parler d'Harvest Island. Hein. Harvest Island qui vient de sortir le 10 octobre 2023, développé par Yobob, édité par Yobob également. C'est un jeu de simulation de ferme, hein, d'où le nom Harvest Island. C'est comme les Stardew Valley Like, Harvest Moon Like. Hein. D'ailleurs, ils gênent pas avec le nom, le titre qui est Harvest Island. Et quoi vous dire? Ben, c'est toujours la même chose. Hein. Vous savez ce que je pense des Stardew Valley, j'aime bien ça, j'en joue à 1 à 2 par semaine, et c'est toujours la même chose. Et en gros, qu'est-ce que c'est là? En gros, t'es un petit garçon de ferme, enfin, t'es un petit garçon, tu vis avec ta sœur qui est un peu une boulette, enfin, qui est jeune, et avec ton gros daron, et tu vas devenir un peu le père de famille, et ton père va t'apprendre les trucs de la vie, hein. Et c'est chiant, voilà, c'est chiant, non, mais tu dois... Ouais, tu traites tes vaches, tu t'occupes de tes poules, tu plantes, t'explores l'île, t'as un cycle jour-nuit, tu peux devenir ami avec des animaux, bref, le tout très classique des Stardew Valley. Like, hein, le tout très classique, c'est même moins bon que beaucoup de jeux que j'ai pu faire, c'est moins bon que Moonstone Island, beaucoup moins bon même, c'est moins bon que Fire Farm, c'est beaucoup moins bon que Stardew Valley, c'est moins bon que les Harvest Moon, bref, c'est pas terrible, en plus, c'est vieux, le gameplay est rigide, la direction artistique est, voilà, est vieillotte, regardez, je trouve ça, mais dégueulasse, on dirait un Final Fantasy de fin des années 90, début 2000 sur Game Boy, c'est pas beau, c'est pas bien animé, je trouve, enfin voilà, je trouve que c'est vraiment... pas extra, hein. J'ai pas fini le jeu, pas du tout, hein. C'est un avis express, donc c'est à chaud, j'ai joué au jeu comme ça, j'ai fait quoi, une demi-heure, une heure, et sincèrement, mais directement, tente dans le truc, t'es un peu dégoûté, c'est pas très bien optimisé en plus pour un jeu comme ça, hein. Des fois t'as des baisses de framerate, de FPS, et c'est, enfin voilà, c'est quand même pas extra. En plus, ça coûte 24 balles, ce qui est quand même assez cher. L'originalité, entre guillemets, c'est que il y a des bénédictions, c'est que tu dois faire des bénédictions aux dieux, donc leur donner des choses, leur donner des récoltes, et puis comme ça, tu obtiens de la grâce et ça fait plaisir. Et c'est assez, après, c'est assez mystérieux. Hein. Là-dessus, c'est assez original pour un Stardew Valley-like, c'est dans l'histoire et dans l'approche. Ça peut être un peu original, c'est un petit peu spooky, un petit peu effrayant, ça peut être un peu effrayant malgré le côté Stardew Valley-like. Et d'ailleurs, les graphismes sont effrayants. Non, c'est vrai que les graphismes sont clairement pas extra, la direction artistique est pas terrible, hein, la musique non plus, les bruitages non plus, c'est moyen, moyen. Mais voilà, faites-vous votre avis. Quoi vous dire, quoi vous dire? Non, mais ouais, c'est un Stardew Valley-like où il faut recevoir des bénédictions de la part des dieux en leur apportant des objets, des ressources. Et avec cette bénédiction, on va pouvoir améliorer sa ferme, fabriquer des objets ou faire ce genre de choses. Bon, après, il y a un cycle jour-nuit qui est pas trop mal fait. Hein. Oui, la nuit, ça luit, il y a des vers luisants, il y a des bruits spéciaux, ça brille grâce aux lucioles, il y a la marée basse, il y a la marée haute. Tu vois, il y a des trucs plutôt pas mal. Mais pff, voilà, il y a le temps aussi, la pluie, le soleil, la tempête, machin. Mais pff, je trouve ça... En fait, je trouve que le gameplay, la direction artistique sont vraiment à des années-lumière, sont vraiment vieux. Et pourtant, j'aime les directions artistiques originales des jeux indépendants. Mais là, sincèrement, bah, c'est pour Windows Vista, en fait, Windows 7, même pas, non, clairement, c'est pour Game Boy Color, ça donne pas envie, quoi, c'est voilà, quoi, ça donne pas envie, et quand tu joues, t'es là, t'es blasé, t'es là, bof, 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 et en plus, t'es dégoûté, parce que c'est le même tuto que dans tous les mêmes jeux, hein, donc c'est toujours la même chose au début, genre, oh, va chercher ça, va chercher ci, va couper du bois, va traire les vaches, va traire les poules, va torcher le cul de ta grand-mère, donc c'est vrai que, pff, à force, c'est un peu lassant. Voilà, donc c'est en plus c'est même pas, on se dit, ah, les Stardew Valley like c'est cool parce que c'est mignon, bah là c'est même pas mignon, voilà, donc
C'était mon avis express sur ce jeu. Faites-vous vous-même un avis, le lien sera dans la description. En tout cas, ça donne clairement pas envie. Et très très rapidement dans le jeu, t'es dégoûté, quoi. T'es dégoûté et t'es là en mode, oh, bof, bof, bof. Après, attention, il y a une histoire un peu secrète et un truc un peu, côté, un peu spooky, un peu Halloween. Mais ça, voilà, il faut du temps avant de le découvrir et je vous laisserai le découvrir. Mais sincèrement, oui, à part ça, c'est pas terrible, c'est pas très original. Bref, jouez au jeu, faites votre avis, mais je ne peux pas le recommander comme la majorité des Stardew Valley like, parce que bof, bof, voilà. Gros bisous à tous et à bientôt. Bye bye, bisous partout.